Accompagné d'une vingtaine de personnes, le président de l'Union des anciens de la FESI, UNAFESI, Dr Martial Aipo, échange avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. L'essentiel des propos de la rencontre est axé sur la paix et le retour en Côte d'Ivoire de certains membres de l'UNAFESI encore en exil. Nous souhaitons que désormais tout le monde soit focalisé sur la réconciliation. Il faut qu'on avance. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui d'une autre crise. Tous ceux qui sont concernés par cette dynamique-là s'y mettent à fond. Nous allons aujourd'hui prendre notre bâton de pèlerin et aller pour essayer de faire comprendre aux Ivoiriens que cette affaire de guerre, cette affaire de conflit, c'est terminé. La Côte d'Ivoire doit avancer. L'UNAFESI a également exprimé sa reconnaissance au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale pour la nomination d'un des leurs, à savoir Eugène Djoué, au poste de conseiller technique. Créée le 25 novembre 2018, l'Union des anciens de la FESI œuvre pour la solidarité entre ses membres. L'UNAFESI s'engage pour la réconciliation et la cohésion nationale.